J'ai commencé à Tourcoing imam en 96, fin 96. Et je suis resté jusqu'à juillet 2001, à peu près 5 ans. Et c'est une phase dans laquelle je vous ai dit, les choses sont devenues de plus en plus claires. Mon itinéraire, mon procédé, mes convictions, et j'ai parlé dans trois épisodes passés, se basaient sur les bases, les racines, au sol, la simplicité du discours et investir le temps sans contraindre le temps. Aujourd'hui, je vais consacrer, avant de quitter Tourcoing, un autre facteur dont on a tous besoin. C'est l'évaluation. Et quand je dis l'évaluation, ce n'est pas l'évaluation quotidienne. Avant de dormir, comme nous ont enseigné les chers, tu dis, ma journée, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai lu le Coran? Est-ce que j'ai rendu une visite? Est-ce que je me suis renseigné sur un malade? Est-ce que j'ai fait une sadaqa? Quels sont mes bons actes? Quels sont mes mauvais actes? C'est ce qu'on appelle une évaluation quotidienne. Je ne parle pas de cette évaluation. Celle-là, elle doit être acquise. Est-ce que j'ai fait mes prières dans le temps? Ça, c'est acquis. Normalement, tout musulman doit avoir ce procédé quotidien. Avant de dormir, faire un petit scan sur sa journée. Comment il s'est déroulé? Au niveau de la relation avec Allah, au niveau de la relation avec l'autre, et au niveau personnel, spirituellement, mes adhkars, ma lecture du Coran, est-ce que j'ai ouvert le Coran, est-ce que je n'ai lu si ce n'est qu'une page, et ainsi de suite. Mais plutôt, j'aimerais parler de l'évaluation du terrain, du travail. On ne peut pas progresser s'il n'y a pas d'évaluation. On ne peut pas rectifier s'il n'y a pas d'évaluation. On ne peut pas stopper s'il n'y a pas d'évaluation, stopper les erreurs. C'est l'évaluation qui va nous permettre de mieux avancer, mieux comprendre et se sentir en sécurité en allant de l'avant. Vous savez, vous prenez l'autoroute, vous allez dans une destination, et à un certain moment, vous posez la question, est-ce que je n'ai pas raté une sortie? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne direction? T'es obligé. Et si tu te donnes trop de confiance, à part si tu as la certitude, si la personne a la certitude, ça c'est une autre question. Mais que celui qui n'a pas la certitude dans sa démarche, il est obligé de se poser ces questions-là. Pourquoi? Pour pouvoir se rattraper. Si j'ai raté la sortie, je peux faire demi-tour. Si je ne suis pas dans la bonne direction, je peux toujours changer. Mais imaginez, vous continuez, non, 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 l'entêtement, avec le doute, et il y a l'entêtement, vous allez vous trouver après 500 km ou 600, même peut-être plus. Et je connais quelqu'un qui s'est trouvé en Portugal. Quand les gens prenaient l'autoroute du côté de Paris pour descendre vers Madrid, et voyager de nuit, il n'a jamais voulu écouter jusqu'à ce qu'il s'est trouvé devant les frontières portugaises. Pourquoi? Parce que quand la personne l'a interpellé, lui a dit peut-être qu'on est dans la mauvaise direction, lui a dit non, non, on est dans la bonne. Et une fois devant les frontières, et oh là, c'est lui qui me l'a raconté. Donc l'évaluation, c'est une chose qui est très importante. Elle nécessite modestie, humilité, et aussi, surtout, qu'on est des humains et que nul entre nous n'est parfait. On fait tous des erreurs. Et des erreurs, je ne parle pas des erreurs péchés. On fait tous des erreurs d'estimation. Je ne parle pas le péché. Le péché, c'est acquis, ça aussi. Tout le monde fait le péché. Mais dans l'estimation des choses, on a tous des fausses estimations. On peut estimer une situation, on peut estimer selon un sermon, un discours, une conférence, et il avère qu'il y a des éléments qui m'ont échappé.
Alors, il est toujours, pour la garantie de la continuité, de toujours faire une évaluation. Et cette évaluation concerne quoi? Connaître le terrain. Et voilà, quand je dis l'évaluation, ce n'est pas que j'évalue seulement, j'ai fait un discours, qu'est-ce qu'il était mon discours? Non. Est-ce que mon discours, il était en cohérence avec le terrain dans lequel j'exerce? Est-ce que mon discours, il répond à un besoin du terrain? Et pour le savoir, il faut prêter oreille. Et oui, il faut prêter oreille. Il faut être prêt à l'écoute. Même ceux qui vont te critiquer gratuitement, critiquer pour critiquer. Comme il y en a qui parlent pour parler. Il y en a qui critiquent pour critiquer. Ils te visent dans ta personne pour te mettre le doute dans ta personne. Ils te critiquent. Et leur critique ne vaut rien. Ça, il y en a. J'en ai connu. Mais en général, les gens ramènent des critiques selon leur vision. Ils sont bien intentionnés. Et que cette critique soit au niveau linguistique, on va dire que j'ai fait une erreur, étant donné que je ne suis pas francophone, je fais de mon meilleur à traduire. Et j'essaie de transmettre l'idée et le message à ceux qui m'écoutent. Faire des erreurs au niveau conjugaison, oui. Vocabulaire, oui. Sûr et certain, j'en suis sûr et certain. Et là, je dois prêter oreille. Si ce n'est qu'au niveau linguistique. Vous avez dit tel mot, il faut dire tel mot. Par exemple, parmi les choses qu'un frère m'a corrigé, nous, les arabophones, on ne fait pas beaucoup attention entre trop et très. Trop et très, c'est-à-dire la quantité. Trop long, très long. Il y a une différence. Il m'a expliqué quand est-ce qu'on dit trop, quand est-ce qu'on dit très. Trop, c'est négatif. Très, c'est positif. Par exemple, ce fruit est très cher. Il est cher, mais très cher. Mais si je veux donner un sens négatif, il est trop cher. Il m'a expliqué, alhamdoulilah. C'est un exemple qui m'arrive maintenant. Et moi aussi, j'ai transmis à d'autres personnes, quand ils font cette erreur, je lui dis, voilà, il y a une différence entre trop et très. Pourquoi? Parce que je ne suis pas francophone. Je suis arabophone. Donc si une personne va me placer des remarques linguistiques, elle est la bienvenue. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que on est dans un monde aujourd'hui, ce n'est plus comme autrefois. Autrefois, il n'y avait pas de cette connexion Internet, ou plutôt cette technologie de l'Internet. Aujourd'hui, on peut t'écouter à travers le monde. Tu t'adresses à un monde francophone. Et ce qui est digne d'un imam, c'est qu'il maîtrise une langue quand il la parle. Je ne vais pas dire ou prétendre, je veux parler le français sans faire d'erreur. Impossible. Les erreurs, il y en a. Même des grandes personnes, des grandes personnalités, ils en font. Les erreurs, tout le monde doit. C'est une nature humaine. On ne peut pas être parfait 100%. La seule parole qui ne contient pas d'erreur, c'est quand on lit le Coran ou on lit la Sunna du prophète, alayhi salatu salam. Ça, il n'y a pas d'erreur. La parole d'Allah, elle est juste. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. On ne va pas chercher les erreurs. Sauf ceux qui sont malades d'esprit ou de cœur, qui vont dire que dans le Coran, il y a des erreurs ou dans la Sunna. Non, impossible. Ça, c'est par exemple. Un des exemples que quelqu'un me place des critiques au niveau de mon langage français. Même au niveau du langage arabe, quand je fais mon discours en arabe. Parce que le français a piétiné sur ma langue arabe. Et ça, c'est une réalité. Au niveau parler arabe, je ne suis plus l'homme d'avant. Parce qu'avant, je lisais arabe, je ne parlais qu'arabe, et je parlais, quand je dis avant que je commence à exercer en 95 en français. Toute mon activité intellectuelle de la pensée, c'était en arabe. Et puis, en allant vers le français, c'est aux dépens de l'arabe que ça s'est passé. Ce qui est tout à fait, pour moi, normal. Donc, quelqu'un veut me placer une critique, soit au niveau de l'arabe, que j'ai fait une erreur, ou au niveau français, il est la bienvenue. Ça fait partie de l'évaluation aussi. Pourquoi? Parce que je veux m'améliorer. Je veux exceller. Je veux que mon message soit un message respecté. Tu peux avoir une bonne idée, mais tu la formules mal, ou tu fais des erreurs, la personne peut rejeter ton idée. Il peut la rejeter. Il y en a qui sont très sensibles aux erreurs de conjugaison et de vocabulaire. Ils ne veulent plus t'écouter du moment qu'ils sentent qu'il y a des erreurs. L'idée, elle est bonne,
mais mal exprimé, ou il contient des erreurs, ben, il n'est plus bon. Quelqu'un d'autre, il passe outre les erreurs, il s'intéresse à l'idée. Donc tout dépend de la sensibilité de la personne. Donc une évaluation même au niveau de la langue, une évaluation au niveau de la façon de transmettre ses idées, la façon de transmettre, de faire son allocution. Quelle façon tu utilises? Je connais des frères, et j'avais parmi mes maîtres qu'ils étaient comme cela, parmi mes chers. Les idées débordantes, un homme de science, poids lourd, mais quand il fait un serment, il devient poids léger, poids mouche. Tu ne peux pas le suivre, tellement qu'il est calme, tellement que sa voix il est basse, tu t'ennuies. Et c'est pour ça qu'il évite, il aime écrire. Et quand il écrit, masha'Allah, mais quand il parle, masha'Allah, mais quand il fait un sermon ou un discours, une conférence, il faut être patient pour le suivre. Ce n'est pas facile. Et pourtant, masha'Allah, c'est une charge. Ça aussi, c'est une façon. Il y en a que sur le minbar, il va te faire dormir. Un cheikh sur le minbar, il va parler d'un sujet intéressant, mais il n'a pas la méthode de le transmettre. Il ne l'a pas. Il peut l'avoir, mais il ne s'est jamais évalué. Il n'a jamais voulu prêter attention et oreille à ceux qui vont lui dire, écoute, il faut améliorer ta façon de présenter, parce que parmi les choses qu'on nous a enseignées, quand on fait un sermon, c'est comment le faire, comment le présenter. Je vous ai parlé de la méthode verticale ou la méthode horizontale et la tonalité, la voix, comment parler. Quand est-ce à quel moment lever la voix ou élever la voix et quand est-ce il faut la baisser. Et ce n'est pas du cinéma, parce que ce sont des choses que tu dois vivre en toi et que ça devient normal et naturel. Et ce n'est pas une pièce de théâtre que tu es devant une scène où tu vas lever le ton parce qu'il y a un réalisateur et il te dit à ce passage-là, il faut... Non, il faut que ça devienne un acquis et que ça devienne une chose automatique. Quand tu fais ton sermon... Et le meilleur que je conseille dans ce sujet, Cheikh Kishk, rahmatullahi alayhi. C'est le meilleur des meilleurs. Comment il parle, comment il s'exprime, quand est-ce qu'il élève le ton, quand est-ce qu'il le baisse. C'est l'homme du minbar. On l'appelle le lion du minbar. Donc ça aussi, parfois, tu peux te baser sur un hadith qui est faible, est très faible. Et tu as fait tout ton serment en se basant sur ce hadith. Donc ton serment, il devient automatiquement faible, très faible. Parce qu'il y a parmi l'auditoire qui s'intéresse à le hadith. Et quand tu vas construire ton discours sur un hadith qui est très faible, ton hadith devient aussi très faible et rejetable. Parce que le raisonnement ne tient plus. Je prends un exemple, tu prends le hadith « Sautul mar'ati awra ». C'est un hadith qui est faux. Que la voix de la femme, et il représente une lacune. Mais il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne fait pas partie de la prophétie. Et quelqu'un construit son discours comme quoi la femme doit baisser sa voix parce que la voix est une aura, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout le discours tombe à l'eau parce qu'il l'a basé sur un hadith qui est faible. Très, très faible même. Alors il faut faire une évaluation. Quelqu'un va te dire, ben écoute, le cheikh, tu as utilisé un hadith qui est rejeté par la majorité des savants. Ou hadith qui est inventé de toutes pièces, remonté de toutes pièces. Hadith qui est faux. On ne peut pas l'attribuer à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça fait partie de l'évaluation. La même chose pour les versets. Un verset coranique que tu peux citer, faire l'erreur, et ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que je me base sur ma mémoire et je suis quelqu'un qui improvise, et que quelqu'un te dit, voilà ce que tu as dit dans le verset. Et comme je vous ai dit, on est dans une technologie que tout le monde nous regarde. Autrefois, tu fais un discours, ça s'arrête à l'auditoire et c'est fini. Il n'est ni enregistré ni transmis. Aujourd'hui, les discours sont transmis. Et donc, il faut faire attention et s'auto-évaluer, et évaluer les versets coraniques, les hadiths, les citations des savants. Parmi les choses qui m'est arrivée, et ce serait bien que de le dire, une fois j'étais chez quelqu'un en Allemagne, et j'ai trouvé un tableau décoratif où c'était écrit Sahih al-Bukhari en bas. Il y avait une calligraphie.
dans ce tableau et je l'ai lu cette calligraphie. Et j'ai fait une bêtise. La'natullahi ala al-mazihi. La'natullahi ala al-kaddabi walau kana mazihan. Je crois que c'est la parole, elle est comme ça. La'natullahi ala al-kaddabi walau kana mazihan. Sahih al-Bukhari. Une calligraphie. La bêtise humaine. Et de retour de ce voyage, je parlais dans un discours de vendredi à la Payade, la mosquée à Verroès, et je cite ce hadith que j'ai lu pour moi parce que c'était acquis. Et j'ai oublié que les commerçants sont capables d'inventer. Et il y a un frère à la fin du discours, alhamdoulilah, que mon sermon n'est pas basé sur ce hadith. Je l'ai cité au cours de mes mots. Au cours de mon sermon, j'ai cité Sahih al-Bukhari, la'natullahi ala al-kadibi wa law kana mazihan. Et un frère vient me voir, me dit, Akhi, je ne crois pas que ce hadith appartient à Bukhari, à cause de la technologie, de l'internet, sur son téléphone, sur le champ, il a vérifié, il m'a dit, ce n'est pas un hadith de Sahih al-Bukhari. Et c'est un hadith qui n'existe pas. Il m'a dit, ça existe dans d'autres termes, mais pas en ce terme que tu as cité. Je dis, Akhi, voilà ce qui s'est passé, je l'ai vu cette semaine, j'étais en Allemagne, voilà ce que j'ai vu. Et quand j'ai parlé du mensonge, je me suis rappelé de ce tableau et j'ai cru qu'un musulman, quand on fait de la calligraphie, de Ayat al-Kursi, de plein de choses, et depuis, je me suis engagé à ne jamais prendre des citations de tout ce qui est calligraphie, à part les versets coraniques que je suis capable de corriger moi-même. Mais si maintenant on me dit ce hadith, il est écrit dans une calligraphie, je dois le vérifier. Mais grâce à ce frère, ça m'a permis de prendre une mesure. Cette mesure consiste, les hadiths on les trouve dans les livres et non dans les décorations. Quand je dis aussi évaluation, de savoir les données, je veux faire un discours sur l'attente, beaucoup de l'attente des parents, c'est quoi? C'est que l'imam, c'est une personne à laquelle on vient voir quand on a des conflits de couple, conflits de famille, conflits de société. Ça travaille beaucoup dans ce terrain, l'imam. Ce sont les grands problèmes. N'oubliez pas, au début de série, quand j'ai parlé de Rotterdam, j'ai dit, un imam doit faire attention de ne pas devenir un problème. Parce qu'on vient voir l'imam pour chercher des solutions à des problèmes. Et l'imam, quand il intervient, il n'est pas un juge. L'imam, c'est un arbitre. Il essaye de réconcilier entre les parties. Et il ne faut pas, en aucun moment, qu'il devienne un élément qui compose le problème. Il faut qu'il garde sa neutralité de telle sorte qu'il soit toujours une référence, une personne crédible envers laquelle on se retourne. Alors quand tu veux traiter un sujet, ou je veux traiter un sujet, il faut que j'aille l'ensemble des données. L'ensemble. Une fois, je ne l'ai pas dit dans l'intervention en arabe, mais je viens de me rappeler en Hollande, c'est une boutade que j'ai fait, ou une bêtise. Et j'ai parlé du mariage forcé. Et je leur ai dit, je viens d'apprendre qu'une femme, ils se préparent pour voyager, c'est à Rotterdam. Ils ont chargé la voiture. Ils se préparent à partir au pays. Et le père traîne sa fille, malgré elle, à se marier au Lbled. Et donc il a chargé, c'était un vendredi. Je me rappelle très bien, c'était le sermon du vendredi, il a fait, et l'événement, il est arrivé jeudi soir. Ils allaient prendre la route. Qu'est-ce qu'il a fait, la fille? Tout est prêt. Passeport, tout le monde dans la voiture. La fille lui dit, papa, j'ai oublié quelque chose. Et il est parti sans jamais revenir. La voiture a été déchargée. Le papa est parti chez la police. Il s'avère que la fille a déclaré sa situation. Comme quoi, on veut me forcer. Et moi, j'ai parlé de ce phénomène, ou de ce cas, ou de ce fait divers, et le père de la fille, il était dans la mosquée, assis. Il n'a rien dit. Rien. Moi, je ne le connais pas. Wallah, jusqu'à présent, je ne sais pas c'est qui le père. Mais seulement après le discours, quand on a fait la prière du vendredi, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit, qui t'a parlé de l'affaire? Je dis, il y a des gens qui m'ont parlé, voilà ce qui est arrivé. Et je voulais raisonner les parents de ne pas se précipiter et à forcer. Il m'a dit, est-ce que tu sais que le père, il était dans le discours du vendredi, il aurait pu faire quelque chose de grave avec toi et ne pas accepter. Je dis, est-ce que j'ai cité
est-ce que j'ai nommé? Mais il m'a dit si, même si tu n'as pas nommé, même si, mais il était là et les gens savent c'est qui. Donc les gens savent que tu parles de lui. Je dis, moi, je ne sais pas c'est qui. Mais barakallahu fik de m'avoir conseillé, la prochaine fois, j'éviterai de telles choses. Et ça, ça fait partie de manque d'évaluation ou manque de sagesse. C'est une maladresse de ma part de parler d'un sujet qui est cru. Il est arrivé la veille, sachant que je suis dans la ville où c'est arrivé et que n'importe qui de la famille peut être là présent. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas devenir une partie du problème. Et je vais donner deux exemples qui sont très importants. Ce phénomène aujourd'hui, il est en train de s'atténuer. On le voit de moins en moins, c'est très rare, très très rare. Le mariage arrangé entre familles. On connaît la position de la religion vis-à-vis du mariage. La parole revient à la fille et la parole revient au garçon. Le garçon choisit, il dit je veux cette fille-là ou je ne la veux pas. Et la fille, on lui fait des propositions, elle aussi, comme le garçon, il a le droit de dire je ne veux pas. C'est ça, c'est la religion. Mais ça, vous savez, c'est la religion, mais quand on retire plusieurs contraintes, plusieurs éléments, on représente la fatwa comme ça, et là, il a du sens. Mais quand on la représente avec l'ensemble des éléments, elle perd le sens. Et je m'explique. Dans les années 95, quand j'ai commencé imam, et alhamdoulilah que je suis de culture maghrébine, je suis d'origine du Maroc, donc je connais un peu les traditions. Mais ce qui me manquait comme information, c'est la pensée tribale, le tribalisme. Les années 95, ou plutôt là, j'étais en Hollande fin 93, 94, et à Ekodin 95, on n'a pas la même pensée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une banque de données. On peut facilement trouver, un garçon peut trouver facilement une fille d'ici, musulmane, maghrébine, s'il est maghrébin. Et la même chose, vice-versa, c'est facile. Le mariage entre la génération ici, c'est très facile aujourd'hui. Mais dans les années 95, ce n'était pas facile. Et c'était l'apogée de l'immigration. À ce moment-là, dans ces années 93, 94, on va dire jusqu'à 2010, le phénomène il s'est atténué dans le temps. Mais il était à l'apogée, au pic, dans les années 90 et au début des années 2000. Même j'en ai connu des cas ici sur Montpellier. Que les enfants n'ont pas de mot à dire sur le mariage. Et sachant que ces enfants-là, que ce soit garçon ou fille, ils vont à l'école de l'État. Ils savent que ce que ça veut dire la liberté. C'est quoi la démocratie? C'est quoi les droits d'une femme et les droits d'un homme? C'est quoi le mariage? Ça c'est une. Deux, ils se mélangent avec les autres qui sont de culture non musulmane. Et à travers lesquels, ou à travers ces échanges, ils savent que la fille choisit comme elle veut, le garçon choisit comme il veut. Il y a un échange entre les étudiants et les élèves, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Et donc, ils apprennent que le choix du mariage leur revient, c'est leur vie. Que ce soit garçon ou fille. Cependant, les parents, ils sont dans une autre mentalité. Tu parles au père, il te dit, moi, je n'ai pas connu ma femme. On me l'a présenté, ta cousine ou une fille de la tribu, ou la tribu de telle, et je me suis marié. Je n'ai connu mon épouse que le soir du mariage. Et je ne peux pas dire non à mes parents. Mes parents m'ont présenté une fille, barakallahu fik al-walid, je baisse ma tête et je ne rejette pas ce que mon père ou ma mère m'ont proposé. Je ne rejette pas. Il a cette mentalité. Il a cette mentalité comme quoi c'est les parents qui choisissent. Et avec la même mentalité, il vient ici, en France ou ailleurs, en Europe. Et sachant que la mentalité des enfants, c'est une autre chose. Alors toi, imam, dans cela, on va venir te voir comme arbitre. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire aux enfants, écoutez les parents, c'est eux qui choisissent pour vous. Ça ne marchera pas. Tu vas perdre cette jeunesse. Et ils vont rejeter l'islam. Sachant que l'islam leur donne le droit du choix. Et sachant que l'islam donne le droit à la tradition d'avoir son mot. Tu es entre deux droits. Le droit de dire oui ou de dire non, et le droit d'aiguiller l'enfant à un choix. Mais seulement dans
aiguiller l'enfant. Ici, ça devient imposer à l'enfant. Si tu te maries pas, Kmsrot. Ça, c'est parmi les contextes que j'ai trouvés en Hollande, à Écodin, à Tourcoing, et j'en ai trouvé quelques cas ici sur Montpellier. Que la question du père ou de la mère, elle est tranchée. Ajoutez à cela autre chose. C'est que la mentalité, tu as des mamans, et ils sont encore vivantes, ils ne parlent pas un mot en français ou en arabe. Ils ne parlent que la langue du pays. Si elle vient de Rif, elle parle Rifia. Si elle vient de Sousse, elle parle Soussi. Ou si elle vient du Sahara ou de Ourzazat, elle parle la langue du pays. Elle n'a jamais appris l'arabe que quelques mots et elle n'a jamais appris le français. Parce qu'elle était femme au foyer et elle est restée comme ça. Alors il dit à son fils, s'il te plaît, Ouldi, viens, prends ta cousine. Pourquoi? Parce qu'elle veut résoudre le problème de la communication. Et j'en connais des jeunes qui étaient obligés, je le dis, hein, de choisir dans le cadre de la tribu. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai un problème. Mon fond, j'aimerais bien me marier ici, même si c'est une Française musulmane. Mais le problème, c'est que ma mère, la communication, elle ne parle pas le français, elle ne parle pas l'arabe. Ou même, il veut pas se marier avec une fille de son pays, mais la famille de la fille ne parle pas la langue de la maman. Il dit, ben, je suis obligé de résoudre le problème. Je ne vais pas me marier avec une femme qui ne trouvera pas moyen de communication avec mes parents. Ça aussi, c'est un problème. Et tout ça, dans l'évaluation, tu dois le prendre en considération avant de te prononcer dans une fatwa. Parce que tu risques de faire des erreurs gravissimes en disant, c'est leur droit. Ou en disant, le père a le droit ou la mère a le droit d'imposer aux enfants. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se mettre au milieu, il faut équilibrer la balance et réconcilier les positions. Expliquer aux parents la réalité, pourquoi les enfants refusent. Ce n'est pas parce qu'ils sont désobéissants ou massachettes ou qu'ils ne vous estiment pas, mais c'est ce qu'on leur a éduqué. C'est l'éducation qu'ils ont obtenue. C'est la culture qu'ils ont eue de ce pays, ou de l'Europe, ou de l'Occident. Comment tu veux, la fille, elle a 23 ans, 24 ans, 25 ans, pendant 25 années, elle sait que c'est à elle que revient le choix du mari, de l'époux. Et le garçon sait, c'est à lui que revient le choix de l'épouse. Et toi, tu viens du jour au lendemain, tu dis, ben, il faut ramener ta cousine du côté père ou ta cousine du côté mère. Comment tu peux le convaincre, sachant les convictions qu'il a? Et sans rentrer dans les démarches administratives qui deviennent de plus en plus compliquées à ramener une personne de l'autre, du pays. Sans rentrer dans cela. C'est juste une question de conviction. Et un autre problème, et là je vais vous raconter une chose qu'un père m'a racontée. La fille, elle avait 7 ans. Cette année, il m'a dit, Wallah el-Adim, j'étais choqué. Je narguais ma fille, Inch'Allah t'kbri, que tu vas grandir, je vais te marier, je te trouverai un bon époux, tatatatat. Mais il m'a dit, il m'a sorti ses grands yeux, cette année. Il m'a dit, papa, c'est moi qui décide pour mon mariage, c'est pas toi. C'est moi qui choisis, ce n'est pas toi. Il m'a dit, il avait 7 ans. Mais je dis, ça te prépare psychologiquement. Il t'a annoncé les couleurs. Il t'a dit, ah, fais attention, ne te mêle pas. Et croyez-moi, je connais des filles qui se sont condamnées à ne plus se marier. Ils ont atteint l'âge de la quarantaine, ils ne se sont jamais mariés. Elle a juré de ne pas se marier parce qu'elle a refusé le choix de ses parents. Et pour satisfaire leurs parents, elle a dit, jamais je ne me marierai. Harmat zouaj. Il a rendu le mariage illicite. Et je connais le cas. Elle ne veut plus se marier. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, je ne veux pas me marier, me rendre joyeuse, étant donné que mes parents vont être tristes parce qu'ils m'ont proposé, j'ai refusé. Et ça fait un grand problème, une déchirure familiale et ainsi de suite. Un autre élément, et je traitais ce sujet seulement pour vous dire, quand on fait une évaluation, il faut rassembler tous les éléments. Comment préparer son discours? Et comment préparer la jeunesse ou les parents et réconcilier? Parce que c'est ça ce qu'attendent les parents. Les parents attendent de l'imam quelqu'un qui réconcilie, qui rapproche. Il y a des parents qui sont mal intentionnés. Ils voudront que l'imam soit de leur côté. Alors, sans ces évaluations, il y aura les erreurs. Il y a un autre élément qui a causé des déchirures familiales où il a failli causer le divorce entre les parents.
Si que le père, il a un fils ou une fille, un enfant, l'âge du mariage, il va lui dire, j'aimerais bien que tu te maries avec ta cousine, du côté de sa sœur ou de son frère au pays. La maman va intervenir, lui dit, non, par quel droit? Moi aussi, j'ai ma nièce. Et je préfère que mon fils prenne ma nièce du côté de la maman. Et le conflit devient entre le père et la mère, un conflit familial. Tu m'as tenu tête, t'as corrompu l'enfant, t'as corrompu la fille, et voilà. Et ça se répercute sur le couple lui-même, à cause d'un des enfants qu'on lui propose du mariage, la maman, elle est contre, il lui dit, mais jamais mon fils va se marier avec ta famille, je n'oublie pas ce que ta famille m'a fait subir. Et ça devient de la rancune et des règlements de compte. Et les enfants sont au milieu. Tout ce que je vous dis, c'est la réalité. Et je ne peux pas me permettre de dire dans un discours, je vais résoudre le problème ou je vais traiter le problème sans avoir ces éléments. Et comment convaincre les parents de laisser les enfants faire leur choix? Et comment convaincre les enfants que les parents ne les détestent pas, ils veulent les aider à faire un bon choix? C'est ça la réalité. Et ça, il faut savoir réconcilier, jongler entre les deux dans ton discours et être sage. Ici, ce n'est pas la ruse, c'est la sagesse. Faire comprendre à la jeunesse que le père n'est pas mauvais quand il lui propose une fille du pays. Et faire comprendre à la fille que le papa ou la maman ne sont pas mauvais quand ils te proposent quelqu'un du pays. C'est seulement, c'est une réalité eux-mêmes quand ils sont venus immigrants ici. Quand ils ont voulu se marier, ils sont partis au pays chercher. Donc ils ont gardé la même dimension. On va sortir de ce sujet et je vais soulever un exemple. Parfois, il y a des parents qui sont durs, surtout les pères, avec leurs enfants. Tu as l'enfant qui a fait 22 ans, il est toujours au lit, il ne se réveille pas à 10h, à 11h. La maman est en train de le cajoler, il le couvre, il lui prépare son petit déjeuner à 11h à midi, elle le traite bien. Et le père, il a la rage. C'est un volcan qui boue. Et tu vas lui dire pourquoi. Il te dit, à son âge, je suis déjà marié et j'ai déjà un enfant. Et lui, à 22 ans, il dort encore comme un bébé, c'est sa mère qui s'occupe de lui. Moi, à 15 ans, j'étais déjà en train de bosser, de gagner mon morceau de pain et gagner mon salaire. À 17 ans, j'étais déjà ici, en Occident, en train de travailler. Et lui, il est à 22 ans, 23 ans, il est encore au lit. Et c'est la maman qui s'occupe de lui, la machine à laver, la cuisson, les habits, le roi. Et ça crée un choc. Et ce choc, pour que le jeune le comprenne, il faut qu'on lui explique la mentalité du papa. Que ton père, à 17 ans, déjà, il bossait dur, même à 15 ans. À 15 ans, il était berger. À 15 ans, il travaillait la terre. À 17 ans, 18 ans, il est venu travailler ici, bosser dur. À 20 ans, il est parti là-bas au pays, il s'est marié. À 21 ans, il a eu son premier enfant. Et là, toi, tu as 22 ans, 23 ans, et tu es traité encore comme bébé. C'est la mentalité. Et tout ça, encore une fois, pour régler ce problème, rentrer dans l'évaluation, il faut avoir toutes les données et savoir que la société impacte la mentalité et les convictions. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.